Ce lundi 5 mars 2012, à l'abbaye royale de Saint-Jean d'Angély, avait lieu la restitution du diagnostic de l'agenda 21. Ce diagnostic a été élaboré avec les partenaires locaux et la population angérienne suite à 3 réunions publiques qui s'étaient déroulées à l'automne dernier. Ces rencontres ont permis de construire ensemble une analyse du territoire angérien et de faire un état des lieux de la commune au regard des enjeux du développement durable. L'atout de Saint-Jean d'Angély, c'est quand même le cadre de vie. Donc en fait, son potentiel et ses richesses en termes d'offres et de qualité de vie, il va falloir qu'elle les mette au service d'un développement économique qui permette justement de dépasser aussi ce cadre-là. Les Angériens ont une connaissance d'usage de leur territoire qui vient compléter la donnée statistique pure et dure. Le développement économique va être central, bien entendu, puisqu'on est sur une ville justement qui accueille un public qui est soit âgé, soit en fin de carrière. Donc on a besoin de redynamiser ce territoire, donc d'apporter une offre économique qui soit à la hauteur. Il existe aujourd'hui un très grand nombre de filières qui peuvent justement permettre à Saint-Jean d'Angély de se développer dans ce sens. La filière durable, avec toute la partie réhabilitation, on est sur des métiers qui ne sont pas délocalisables, où on a des compétences nationales qui sont importantes. Donc on peut vraiment miser sur ce type d'entreprise, de développement. Il y a d'autres filières autour des nouvelles technologies qui peuvent être développées en local également. Donc ce potentiel économique va aussi conditionner l'attractivité du territoire et inversement, si le territoire est en capacité de proposer des services et un environnement propice à un public différent, plus jeune, avec des enfants, des couples, là on va être aussi sur des entreprises qui vont vouloir s'implanter sur un territoire qui accueille cette population.